Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo 24h. Et aujourd'hui je vais manger pendant 24h inversé. Donc ce qui va se passer ce matin, repas du soir, après goûter, après midi, après petit déjeuner. Ce qui va être le plus difficile pour moi, je pense que vous le savez, c'est de manger salé le matin. C'est très compliqué pour moi parce que je déteste ça. Alors ce qui se passe le soir quand je rentre chez moi, je vais sous la douche et je me mets en mode cocooning. Donc petit peignoir. Et voilà, c'est parti. Et avant de commencer ce 24h, je voulais vous dire que cette vidéo est en partenariat avec la marque Only You. Donc c'est le magnifique peignoir que je porte. Attendez, je vais essayer de vous faire un petit peu un mode mannequin là, vous voyez. Oh, j'adore, il est magnifique, il est trop beau. Vraiment très 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 beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si vous validez. La matière, la qualité, mais tout est incroyable. Et j'ai jamais eu un peignoir aussi beau de toute ma vie, je vous le dis. J'ai choisi la couleur jaune, il y avait bleu et jaune. Et jaune, bah parce que c'est ma couleur. Hein. J'adore le jaune 2022, je vois la vie en jaune. J'ai envie de vous dire que cette année-là, j'ai envie qu'elle soit belle pour nous tous. Only You, c'est une marque française qui est spécialisée dans le linge de bain et dans le linge de plage. Ils ont une politique qui est incroyable parce qu'en fait, ils réutilisent des tissus. Donc ça s'appelle de l'upcycling. Au lieu de jeter ces tissus-là, elle va les réutiliser pour pouvoir en faire du linge de bain ou du linge de plage. Par exemple, elle travaille en précommande. Donc si vous avez un kimono qui vous plaît, donc par exemple le kimono jaune vous plaît, vous allez le précommander. Et elle va le réaliser. Elle ne fait pas trop de stock pour ne pas justement gâcher. Et ça, c'est génial. C'est ce qu'on veut. On adore. Ils travaillent avec un atelier d'insertion de femmes aussi qui se situe à Argenteuil, je crois, en Ile-de-France, si je dis pas de bêtises. Et par exemple, une partie de mon kimono a été réalisée par cet atelier d'insertion. C'est trop cool de les faire participer. Vraiment, bravo à elles. Ah oui, ce tissu-là, c'est du wax très très populaire en Afrique et qui ne déteint pas en machine. C'est très important de le savoir. Et pour finir, c'est certifié Ecotex, donc c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de réaction allergique. Je sais pas si vous l'avez vu, mais moi j'ai eu une très 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 grosse réaction allergique. Et depuis, j'essaie de faire attention à ce que je porte, à ce que je mets, à ce que je mange, à ce que. Voilà, tout ce que je fais. Parce que je ne veux plus jamais revivre cet épisode de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis très très heureuse de collaborer avec elle. Sur cette chaîne, en fait, je suis pour remettre en avant des petites marques. Je sais que c'est difficile et que j'ai envie d'aider. J'ai envie d'aider beaucoup de personnes. Et voilà. Donc si je peux leur donner un peu de visibilité sur ma chaîne, c'est avec un grand plaisir. Et en plus de ça, c'est testé, approuvé. Évidemment, je ne vous parlerai jamais de choses que je n'aime pas. J'ai refusé des partenariats, des marques que vous connaissez très bien. Je le dirai pas, mais c'est pas dans ma politique. Il y a des choses qui me conviennent pas. Je pourrais me faire de l'argent facilement et dire, allez, vas-y, je prends ça, je teste, ok, c'est bon. Enfin non, moi c'est pas ce que je veux. Anyway, je parle trop comme d'habitude. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vais vous mettre le Instagram juste là. Allez leur donner un peu de force, de visibilité. Donc c'est parti, je vais manger salé ce matin. Ça va être compliqué, mais on va le faire. Allez, on se retrouve dans mon placard, dans mon frigo. J'ai pas grand chose, pour tout vous avouer. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? J'hésite à me faire des œufs ce matin. À part une courgette périmée. C'est tout ce que j'ai. J'ai rien dans mon frigo, c'est dingue. Ah, il y a de la soupe. Oh, non, pas de soupe. On va faire aussi les fonds de placard. Hein, omelette gazpacho. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est déprimant. En même temps, j'ai pas hyper faim. Pour l'omelette, vous allez avoir besoin de œufs. Hein. On casse l'œuf. Je suis sûre que vous allez dire que je triche parce que l'omelette, on peut manger le matin. Mais moi, j'en mange pas. Ah, c'est quoi ça? Ça me dégue. Ça me dégue. On mélange énergiquement. Alors, ne me jugez pas vraiment sur mon plat. Je vous dis la vérité, moi, je mange comme ça assez souvent. Hein. J'adore les œufs brouillés, par contre. Je trouve ça trop bon. Je préfère plus les œufs brouillés que les omelettes. Alors, franchement, moi, le soir, je me prends jamais la tête pour manger. Et souvent, j'ai pas hyper faim. Non, j'ai plus de batterie. Non. Je vais pas vous mentir en vous disant que je mange des trucs de malade dans ma life. Voilà la réalité de ma vie, quoi. Non, mais le soir, voilà. Moi, je suis pas très... Le soir, j'aime pas trop manger de lourd. J'aime pas trop tout ça. Après, quand je vais au resto et tout, bien sûr, je me fais plaisir. Mais en général, chez moi, c'est légumes, soupe, haricots verts, tout ça. Enfin, légumes, oui. En fait, je pense que c'est plus par flemme. Flemme de cuisiner. Souvent, je rentre chez moi, il est 20h30, 21h ou 20h ou... Les œufs ça va, mais le gazpacho, oh, le matin là, ça me dégue. Est-ce qu'il y a ma soeur qui m'a appelée? Est-ce qu'il y a? Bah là, je finis de manger vite fait et j'arrive. Non, en fait, je fais un 24h inversé. Ouais. Donc, non. En gros, là, je mange dîner. J'aurais bien mangé un petit dessert, mais je n'ai rien parce que je n'ai pas fait les cours.
course. Non mais moi, question organisation, vidéo, c'est toujours world again, bis to flex. Bon, du coup, on va y retrouver ma sœur et on se retrouve pour le goûter. Je suis arrivée chez ma mère n'est pas là. Elle est à un mariage, la mom, là. Bah, il y a ma sœur, mais elle veut pas que je la montre. Ah, je suis en mode ghetto, les gars. Elle est trop... Je la montrerai après. Elle se sera apprêtée un petit peu. Donc là, il est 13h30 et je vais prendre le goûter. Moi, ça me va de prendre le goûter à cette heure-ci. Franchement, ce qui est le plus dur, je pense, c'est 16h. Manger du salé. Oh, j'aime pas. Bah, c'est parti, je vais prendre mon petit goûter. Mon petit goûter. Qu'est-ce qu'elle a, la mom, dans ses placards? Alors, on a du peach. J'adore les peach. Peach, mon peach. On a des crêpes à roux. J'adore les crêpes à roux. Et je vais me faire un petit café au lait. Voilà. Mais en fait, j'avais pas vu. Ma mère, elle a une machine à café Nespresso. Mais attends, on est où là? C'est magnifique. Je ne prendrais pas ça, mais bien la machine à café. Est-ce qu'elle a des capsules, maman? Bon, alors là, une petite panoplie de café. Moi, personnellement, je m'y connais pas du tout. Ça a l'air incroyable tout ça. Stockholm, Tokyo. Mais non, c'est stylé. Je vais prendre Tokyo, tu crois, maman, voir? Oh, en plus, il y a des petites fleurs de cerisier dessus. Mais c'est magnifique. Vas-y, je le prends. Et Tokyo, là, ça sent super bon. J'adore l'odeur du café. Le petit café Nespresso. Déjà, je comprends pas la tasse, le concept. Nous avons au goûter des choses très saines, plein de vitamines. Alors, ma sœur m'a autorisé à prendre un bout de son pain suisse. Pain suisse de chez Auchan, je suppose. Bien sûr. Oh, il a l'air incroyable. Il est incroyable. Il a l'air incroyable. Il est incroyable. Un truc de ouf. Oh, ça, c'est vraiment la meilleure partie de ma life. Mais ils ont mis plus de crème pâtissière. Ouais, mais c'est archi bon. Mon dieu. Ça m'arrête une petite danse. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de danse de l'abonné. Plus personne me demande. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux danser, moi. Allez. C'est trop bon. Ah, mais tu le terminer, ma soeur. Non, je le finis pas. Non. Je te laisse. Alors, le café Tokyo Nespresso, très bon. La crêpe waouh. Qui aime les crêpes waouh? Ah, quand j'étais petite, je faisais ça. Tu te souviens? Ah ouais, je sais. On enlevait ça comme ça. Pour avoir que le chocolat, en fait, de la crêpe. De l'extase. Eh, par contre, les peaches, ils ont diminué, non? Le pinch. En fait, j'adore quand je viens chez ma mère parce qu'elle achète des trucs pour ma soeur. Et du coup, elle achète toujours des trucs de notre enfance. Moi, c'est des trucs que j'achète plus du tout. Du coup, ça me remémore des petits souvenirs. J'ai envie de reprendre une crêpe waouh. Allez. Crêpe waouh. Ah là là, la vie. Ce soir, ça va être bien. Petit déj. Moi, ça m'arrive des fois le soir, je rentre. Flemme, je me fais des céréales. Tout le monde fait ça. J'ai vraiment très bien goûté. La vie, le sucre. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une semaine sans sucre? Une semaine? Genre une semaine où je mange pas de sucre. Ben, genre. Comment tu veux survivre à ça? Je peux pas. Mais il faudrait que je me détoxifie du sucre. Hein. C'est trop. On se retrouve tout à l'heure pour le goûter. Le goûter. Ouais? Attends, je suis perdue. Ouais, le goûter, mais salé. Non, mais il va falloir que tu te mettes à gauche. Là, vous savez même pas ce que je suis en train de faire là. J'ai laissé le volant à ma sœur pour que je puisse prendre mon goûter. J'ai pas trop confiance en ma sœur. Du coup, on était au Val d'Europe comme des folles. Est-ce que tu le referas? Tu referas le Val d'Europe? Ah, un samedi solde, non. C'est le samedi, je dois manger en vite fait. Il s'agit d'avancer, mon gars. J'y arriverai pas. Pardon. Vas-y, tourne là. Là, tu fais warning, merci. Putain, et les gens sont aigris, c'est fou ça. Ça te fait quoi de laisser passer une voiture? Franchement, je comprends pas. 5 secondes de ta life. Oh, elle a calac. Ok, donc du coup, je me suis arrêtée vite fait à brioche dorée parce que bah pas le temps. Une torsade salée tomate. Je vais vous tenir comme ça. Je te dis, vas-y, t'y vas. Hein. Un, deux. Non, n'y va pas.
Du coup, torsade, tomate, olive, archibon, archibonne, pardon. L'essentiel, c'est qu'on arrive à destination en vie. Eh, franchement, moi, j'ai essayé le goûter, ça me dérange absolument pas. Je me découvre de nouvelles facettes de moi. Vas-y. Oh oh maman, si tu regardes cette vidéo, voilà pourquoi je laisse pas ma voiture. C'est pourquoi? Parce que tu me laisses pas ta voiture, voilà. Bah oui, je dois retrouver dans un ravin ma voiture là. Ensuite j'ai pris un sandwich végé, boulettes végétariennes, attention, freine, freine, freine. Ah c'est des boulettes végétariennes. Franchement. Moi aussi je vais taper un croc. Ouais tu vas goûter. Par contre le pain il a l'air dur. Ouais. Désolée, les conditions de tournage ne sont pas, pas optimales. Mais bon. C'est le seul moment que j'ai trouvé pour manger. Mais j'arrive pas à le manger ce sandwich. Le sandwich il est incroyable. Hein. J'aime bien les sandwichs végés. C'est délicieux. Brioche dorée si ça vous intéresse. Les followers veulent voir la dégustation. Avec Sarah Diary. Saya Diary. Alors. Ouais, c'est bon. T'as quelque chose à dire? Un goût de boulette. Ah bon? Ouais. Pourtant c'est végé hein. Franchement c'est bien épicé, c'est bien assaisonné, y'a rien à dire. C'est très très bon. C'est très cool. Ouais. J'ai pris un cookie aussi. Oh, l'eau c'est la vie. Ah l'eau c'est la life. C'est trop bon l'eau. Ça m'a marqué. Attention y'a une priorité là ma soeur. Ouais. Ok, j'ai goûté le cookie. Trois chocolats. Il est trop bon cookie. Tu veux goûter? Il y a des noix. J'aime bien quand il est bien moelleux au milieu le cookie. Mais de toute façon on est d'accord, les meilleurs c'est ceux de Subway. Ah oui. Ma sœur, on est d'accord. Ah bah bien sûr. Ceux de Subway c'est la life. Bah on se retrouve tout à l'heure. Nous sommes le soir. Je suis encore chez ma mère. Encore et toujours. Nous sommes en vie hein, finalement. Sarah a plutôt bien géré la voiture. Et oui, je sais conduire. Je ne lui laisserai pas pour autant ma voiture. Tu veux pas qu'elle achète de voiture? Mais je m'en fous, j'en aurai une. Alors, j'avoue, je suis pas traquin. Enfin, manger inversé, c'est pas non plus très, très marrant, quoi. Je sens quand même que j'ai pas mangé normalement. Enfin, normalement. Dans le bon ordre des choses, quoi. Bah, je vais prendre encore un petit Nespresso à ma mère. Maman, tu fais quoi, là? Tu fais du bruit. C'est ça, on a ça pour un bon week-end. Donc, je vais encore prendre un petit café au lait avec sa magnifique machine Nespresso. Le chéri de ma mère lui a offert. Attention hein. Elle vient de rentrer des courses, la mère, et du coup bah, je vais voir ce qu'elle a à manger. J'ai vu des brioches, ça m'intéresse les brioches. J'adore manger les brioches le matin. C'est trop ma passion. Je peux jamais faire de vidéos tranquilles. Donc j'ai pris une autre capsule de la collection, merveilleuse collection. Je sais pas trop ce que ça va donner. Bébé, donne-moi 5 minutes s'il te plaît parce que excuse-moi, ma fille elle est en train de tourner. Je viens de me rendre compte que j'ai parlé. Bon, je vais faire ça. J'y vais. Cathy, mais ça... Petit déjeuner. Mon petit café Nespresso. Ça va, c'est... Ah, je préférais l'autre capsule. J'ai pris une brioche à ma mère, j'en prends qu'une parce que c'est son petit déj fave. Non, tu peux, vas-y, chérie, c'est pas. Non, mais j'en prends une. Une, c'est bien déjà. Et en plus, j'ai pas hyper faim, j'avoue. Mais qu'est-ce qu'elle sent bon, maman, cette brioche. Ah, je dégage. C'est un délice. Mais moi, je mettrais du Nutella dessus, tu vois. Ouais, je sais, mais j'en ai pas, je donne à ta soeur. Non. Toujours là celle-là. Oh, Ah, je voulais faire un petit coucou à Eva qui m'a vue dans une story de Kenya et qui m'a reconnue. Du coup, je tenais à lui faire un petit coucou. Donc, gros bisous Eva. Et gros bisous à tout le monde en fait, hein, tous ceux qui me suivent. Et cette gâche, elle est incroyablement bonne. Après, là, j'avoue, je me serais bien fait un petit smoothie bien frais, tu vois. Voilà. Je vais manger ça aussi, j'adore ça. Bon, évidemment, je n'ai pas mangé hyper équilibré comme d'habitude. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment trop bon. C'est bien moelleux en plus. Bilan de cette journée, c'était marrant. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Si vous avez envie de voir certaines vidéos sur ma chaîne, dites-le moi en commentaire. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, faites tout ce que vous voulez. Je vous aime. Love you.